Ah ouais, merde. Alors bonjour, salut à tous, moi c'est David, je vais vous commenter un gameplay de Anthony. Anthony, 23 ans, non, 19 ans, excusez-moi, j'ai dit mon âge. 19 ans, geek de Call of, digne de ce nom. Il va jouer en mêlée générale sur la map Village, qui est une map assez cool. Il règle, elle est très grande, surtout avec beaucoup de trucs aériens. Donc il joue au sniper avec la MSR, le MSR, excusez-moi, avec vitesse, passe-passe pro, bonne gâchette pro et tireur d'élite pro, je pense. Oui, tireur d'élite pro. Il joue en atout spécialiste qui est détermination. Et le dernier, bouclier anti-explosion, excusez-moi. On le fail. Pour ce qui est dû à ouais, beaucoup de grenades, tout ça, donc ça permet de rester en vie et ça peut sauver ça peut sauver la vie. Donc voilà. Donc le gameplay est passé, a commencé, excusez-moi. Alors là, ça fait 250 à 150 pour Anthony, qui est plutôt bien parti. Donc, le petit flash cop, il avance, se fait tuer par un campeur, respawn, avec sa mimique de double triangle. Pour avancer plus vite. Il rush beaucoup, il est jamais statique. Donc voilà, il tue le mec au missile prédateur pour pas qu'il a son prochain kill streak. Donc voilà, il vient de se faire tuer au passage. Le petit quickscope. Anthony, qui est d'ailleurs un très bon joueur de sniper, qui est l'un des meilleurs dans notre team, on va avouer. Il arrive à gérer. Il arrive quasiment à gagner tous les mêlées générales. Oui. C'est qu'il a un bon niveau. 1 contre 3, il a réussi à nous torcher tout simplement. Donc après, ensuite, là, il fait une petite mêlée générale, dire de se détendre. Là, la petite chance qu'il a eue. Attention, la petite série commence. 3 déjà. 4. Ah, dommage. Sa petite mimique. Oh, le flash cop raté qui s'est ensuite repris. Merci, bonne gâchette pro. Oh, il l'a pas vu, dommage. Le petit hardscope, mais il va en pleine tête. Mais il l'arde pas souvent, Anthony. Là, c'est parce qu'il y a un. Comment on va dire ça? En partie, mais sinon quand il y a un match privé, il l'arde jamais, au contraire, c'est lui qui fait souvent des beaux trick shots du style 3-6, double 3-6 Titanic, qui à mon sens un truc assez bien quand même, sachant que tout le monde sait pas faire des trick shots. C'est d'ailleurs lui qui m'a appris à les faire. Un grand merci à lui. Donc voilà. Donc notre chaîne sera basée exclusivement de gameplay sur Call of Divers. Sachant qu'on les a tous.
On a décidé de se lancer sur l'aventure YouTube pour laisser une trace de nos gameplays. Joli petit double passage. Apparemment, ça se passe bien. Dommage, contre une MP9 Akimbo, ils puissent pas l'ajuster. Donc là, on voit son gameplay assez bien quand même, il n'y a que 3 kills de retard. Ça reste honorable. Faut dire que les ennemis en face, ça campe beaucoup. Ça rush pas exclusivement, il protège plus une zone bien définie, ce qui est normal aussi en mêlée générale, mais regardez-moi ce campeur. Hein. Mais souvent ça... Dommage. Donc comme je disais, notre chaîne sera exclusivement de Call of. Des petits délires. J'ai quelques idées en tête que je vais approfondir et... On verra bien. Si ça vous plaît ou pas, je ferai en fonction de vos attentes aussi. C'est normal. Ensuite, on a une team avec moi, Anthony et d'autres membres de l'équipe. Nous sommes 7e mondial, ce qui est plutôt très bien. 7e mondial de équipe entre 1 et 10 membres, avec 92% de victoire, ce qui est très bien, je pense. Donc ensuite, moi dans la team, je suis objectif player, ce qui incite à défendre gérer le temps. Puis Anthony, lui, c'est tout l'inverse, c'est un rusher pur qui déteste camper, même quand il est en série Moab, c'est pas son genre. Donc voilà, le gameplay va toucher à sa fin. Un petit PvE dans les airs qui va bien fraguer, je pense. Donc voilà, je vais vous dire au revoir, à bientôt pour de prochaines vidéos, je vous dis bonsoir et portez-vous bien. Mais apparemment la partie ne s'arrête pas, car Anthony est à 2 kills de gagner. Attention, peut-être le revirement de situation va peut-être s'annoncer. Oh, le hit marker, attention, il y a un kill. Un kill de la victoire. Anthony qui gagne. C'est inespéré. Avec un 30-21. Je pensais que le dernier allait faire son kill, franchement, très vite. C'est pour ça que je vous ai laissé. Mais Anthony s'est bien ressaisi et a réussi à gagner la mêlée générale. Avec un assez bon score quand même, en sachant qu'il y avait des ennemis avec un PVO, tout ça, et qui a réussi à... Lui qui a fait tout au sniper, sans killstreak. Donc voilà, moi je vais vous laisser. Au revoir.